Bah, je suis content. Je suis content, beaucoup d'émotions là sur l'arrivée. Beaucoup de matchs hyper serrés tout le temps avec les avec Bertrand, HP, tous les autres. C'était plutôt sympa quand on était au contact, on se parlait à la VHF assez régulièrement, on se donnait nos positions, enfin il y avait sa tactique qui est pas mal, c'était intéressant quoi. Le plus dur c'est le bateau en fait qui fait que c'est dur. Ça reste des bateaux de 6 mètres 50 et c'est la vraie dureté de cette course là, c'est ça quoi. C'est vraiment des cagettes et traverser l'Atlantique là-dessus c'est pas évident quoi. Je connaissais les qualités, les défauts de mon bateau et de pas avoir suffisamment d'avance à la sortie du poteau noir, c'était du coup ça m'a donné encore plus de niaque et là où normalement j'aurais dû, je pense avec le bateau que j'avais, perdre des milles, j'en ai gagné. Enfin, je pense sur la fin, la sortie du poteau noir, je pense que ça s'est aussi fait là la différence quoi. C'est-à-dire que d'envoyer même sous les trompes d'eau, d'envoyer du speed dans un nœud, même pour pas longtemps. On savait que ça durait jamais longtemps, le vent changeait tout en direction. Mais de pouvoir mettre de la toile à ces moments-là et de réussir à creuser l'écart petit à petit. Au poteau noir, je me suis mis dans le rouge, vraiment dans le rouge, quoi. Sur la fin. Je savais que de toute façon, après c'était du sud-est, qu'on allait avoir du prêt, qu'on allait pouvoir dormir. Mais j'ai rien lâché, j'étais à la barre beaucoup à la barre. Et puis je pense que ils ont dû faire pas mal de. J'ai pas dû avoir tout à fait la même route. Parce que vu l'écart de vitesse que j'ai fait, j'ai beaucoup glissé, j'ai beaucoup fait de vitesse en fait, plutôt que du cap en sortie de poteau noir pour me barrer assez vite. De toute façon, ça allait donner derrière, c'était prévu. Le chapeau, c'est le chapeau du carnaval. Donc la musique que vous avez entendue, c'est le carnaval de Dunkerque. Et donc voilà, je suis hyper fier de venir de là-bas. Et je sais pas si vous connaissez, mais il y a le carnaval de Dunkerque. Et donc ça fait partie de mon déguisement à Dunkerque. Ouais, à la vôtre, santé. À la tienne, Thomas. Il va venir au ponton, hein. Il peut faire des images. Hein.